Je suis Calypso Nicolaïdis, collègue de Tariq Ramadan à l'Université d'Oxford, et je sors à l'instant même de la prison de Fresnes, où je viens de lui rendre visite. D'une part pour lui faire savoir que ses collègues d'Oxford pensent bien à lui, d'autre part pour prendre état directement de son état de santé qui effectivement continue à être très très inquiétant, sachant que sa sclérose en plaques devrait se traiter évidemment pas dans cet établissement, et que bien quand on le voit, on réalise à quel point il est diminué depuis qu'il a donné ses derniers cours chez nous à Oxford. Et puis aussi de continuer à exprimer un certain étonnement, vu de l'étranger, vu d'Angleterre, vu du monde anglo-saxon, de cette détention provisoire, et bien qui n'a pas l'air d'être provisoire du tout, qui dure depuis des mois, et dont on demande, je crois, de l'étranger, comme on le demande en France, où est cette présomption d'innocence qui est si importante dans le système de justice de notre pays. Voilà.